j'ai pas le temps aujourd'hui, je vous dis franchement, j'étais en réunion, j'ai pas le temps. Voilà. Donc je viens par respect pour le club. J'ai plein de choses à faire. Donc je suis venu, je suis désolé, mais c'était pas prévu que j'ai autant de temps avec vous. Et je connais vos questions à l'avance et j'ai encore une journée pour y répondre fermement. Donc voilà, je ne vais pas dévoiler, il y a plein de choses qui sont sur les journaux, quoi que ce soit, qui m'énervent un peu, on va dire. Voilà, donc dorénavant, si vous voulez savoir la vérité, puisque la télé, je vous irai sur... Laissez-moi finir, monsieur. Vous irez sur le site du club. Dorénavant, quand vous y aurez... vous voulez savoir la vérité, allez sur le site du club. D'accord? Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire, allez dessus. Et là, voilà. À moins d'avoir affaire à quelques journalistes qui ont un peu de conscience, ce qui me ferait plaisir. Au moins, pas rester aux supporters. Non, mais justement, on va propos aussi. Allez, ouais, et je peux même faire une conférence avant le match si vous voulez. Voilà, très bien. D'accord? Très bien. Voilà. Et là, je serai un peu plus plus à l'aise. Parlant. Quand on reprend que vous êtes mal à l'aise par rapport à certains. Ah, je suis pas la mal... Non, non, je suis. Alors, vous savez quoi, la presse, moi, je me regarde, je suis pas mal à l'aise. D'accord? Sauf que moi, j'ai un tempérament. Bon, je vais pas, je vais dire français, mais j'ai pas de tempérament algérien ou kabyle pour l'instant. D'accord? Donc, quand je vois des choses, soit je laisse passer, soit je m'énerve. D'accord? Aujourd'hui, je suis énervé pour certaines choses. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je dis que soyez honnête sur des interviews sur des, ou sur des nouvelles, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Bah, parce que moi, j'ai le retour de bâton derrière. Enfin, le retour de bâton, c'est une façon de parler. C'est-à-dire, j'apprends des choses que je ne sais même pas et qui n'existent pas. Voilà, c'est ça qui est... C'est ça. Pour eux c'est pénible parce que ils sont jeunes, ils sont sur les réseaux sociaux, ils adorent ça. Et ça, c'est comme ça, c'est normal, d'accord. Mais bon, quand vous avez des joueurs qui apprennent des choses par les réseaux sociaux, c'est toujours pénible. Voilà, c'est juste ça, quoi. Après, c'est à moi de m'adapter, c'est ce que je fais aujourd'hui, je m'adapte. Voilà. Et puis quand je serai de meilleure humeur, je serai plus parlant. Après la libération de Moden, tout le monde l'a appris sur les réseaux sociaux. C'était vrai. Hein. Donc, les gens, ah, mais j'ai pas dit le contraire. On m'a demandé pourquoi. J'ai dit c'est mon choix. C'est mon choix. J'ai pas dit que c'était vrai. Il était pas parti. Quand le club ne communique pas, oui. On est obligé de voir à droite et à gauche. Il y a toujours des sources à droite et à gauche. Oui, non, mais ça, je sais que des taupes, des pourris, il y en a partout. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je sais. Si vous êtes pas énervé, on sera encore plus nombreux les jours là. Et le pire, c'est que c'est moi qui vous demande. Ah, à quelle heure? 15h. Ah, il y a la prière. À 15h. À 15h, c'est temps. Le matin. Essayez plutôt. Le matin. Le matin, quoi? Le matin? Le matin à 11h. 11h, c'est bon. C'est les dégâts. Eh ben voilà, القاسمي محمد السعيد سكريزي وزون